Hello les gens, nous voici pour un nouvel épisode de Prototype. Eh oui les gens, mon dieu, on est de retour ici. Ah, je suis bien infectée au fait. Car oui, pour ceux qui ne se rappellent pas, dans le dernier épisode, nous avons été manipulés par notre chère amie Kate, hein, notre ex-femme. Et elle nous a amenés dans un guet-apens, dans un nid qui a été envahi par les Black Watch, et entre autres de l'agent Cross qui nous a gentiment refilé un sublime parasite, hein, donc un petit cancer qui va nous tuer petit à petit, et qui nous permet pas d'utiliser nos pouvoirs. Hein, donc par exemple, moi si je l'utilise à griffe, regardez, je ne peux plus en utiliser, donc je suis dans le caca jusqu'au bout. Et donc voilà, donc je me suis renseignée un peu de mon côté, j'ai demandé à Dana de l'aide et elle m'a dit ouais, il y a un Radley machin, je sais plus son nom, je suis désolée, je connais son prénom mais pas son nom pour une fois, d'habitude c'est l'inverse, qui allait nous donner un coup de main parce que il est intéressé par le cas, il veut soigner aussi la maladie et de toute façon c'est le seul qui pourra nous soigner tout simplement. Et le problème c'est qu'on vient d'apprendre que l'armée a compris que c'était un potentiel danger et qu'il fallait peut-être l'éliminer le plus vite. Non, faut que je sauve son cul. Donc Radley, je vais sauver ton cul. Oui. Ouais, d'ailleurs pour lui j'ai dû aller chercher des échantillons. Ça j'ai oublié de le dire mais c'est pas grave. On va lancer la cinématique parce que sinon on n'avancera pas, hein. What's happening to me? They know you carry the infection. They might be using you to produce an antivirus. Huh. If we learn what it's doing, maybe I can find a way to help your biology reject it. How? Cut off its food supply. Ouais, c'est mignon en me disant le privant de nourriture, mais... Into those bodies, I'm gonna need some armor. Bon, ça va pas être dur. Donc ok, je vais me camoufler. Et on va faire semblant de rien. C'est étonnant qu'ils ont pas déjà essayé d'attraper Radley. Ça me dit qu'il y en a là ici. Ou alors c'est plus bas. Ah oui, c'est plus bas. Il y a une route plus bas. Donc on va suivre le convoi, mais j'imagine que ce n'est que les... Ah mais non, il y en a un là. Oh, je peux t'emprunter ton char s'il te plaît? Ah merde, j'aurais dû te prendre... Je vais prendre l'autre. Je vais prendre l'autre, pourquoi? Parce qu'il est plus devant. Attendez. Je vais prendre l'autre devant. Pourquoi? Parce que, un, il est plus près. Et de deux, bah au moins, ça fait un char en moins. Donc, ah merde, j'ai eu la... Je vais éviter les voitures en général. Donc, je dois aller là-bas. Donc, je dois faire un demi-tour monstrueux. Ouais, mais si les gens, ils deviennent cons, j'y peux rien. Vous mettez pas sous mes roues non plus. Bien évidemment, ce chasse. Ah, mais non! Toi aussi, quelle idée de t'arrêter, du con. Bon. Les cyclistes! Les cyclistes. Oh putain, je l'ai frôlé, le mec! J'ai frôlé! Oui, je suis en train de faire un grand détour, mais je sais pas par où faut passer, au fait. Ouais, t'aurais pu tourner à droite. Ouais, je fais de la merde, en fait. Je suis désolé. Je suis de la grosse merde. Il y a longtemps que j'ai pu jouer à Prototype. Foutez-moi la paix. Bon, je vais leur rouler dessus parce que... Regardez-moi ça, ils sont dissidents. Regarde. Hop. Et deux de mort. Allez, 3, 4, 5. Mais ils se tuent tout seuls, regarde-moi ça. J'ai même pas besoin de les attaquer pour... Bon, attends, parce que... Les chars, ça peut être une chiotte à conduire. Je suis désolée. Tu me bloques, là. Oh, putain, j'allais dire. Eh oh. Allez, dégage, laisse-moi passer. J'y crois pas, le char qui m'empêche de passer, quoi. Et encore, on a de la chance, on a les fameux chars qui... Hop là, rien à foutre. C'est des militaires. Les militaires, je leur roule dessus. Quelle violence! Et oh, quelle idée aussi de me donner un char, quoi. Allez, le petit passage. Désolé, piéton, fallait pas te mettre dans mon chemin. J'ai cru pendant 2 secondes voir un mec où je pouvais prendre son âme, mais non, c'est pas encore maintenant.
Je conduis comme une chospie, je suis désolé, hein. Allez, c'est parfait. Donc, j'ai pas intérêt à me faire tuer. Allez, go. If you can get me a couple of minutes with those corpses, I think I can get what you need. Bon, c'est loin ou pas? Parce que si... Merde, je me suis trompé de bouton. Ouais, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai près de la moitié des souvenirs, hein, donc vous pouvez pas vous dire que je ne m'investis pas dans le jeu. Je dois aller où? Évidemment, il me le met pas sur la carte, hein, ce serait trop facile. Donc, à mon avis, ça doit pas être si loin. Désolé, hein, tant que j'y suis, hein, je vérifie un peu. Que j'ai pas de nouveau pouvoir ou une connerie du genre. Non, j'ai pas de nouveau pouvoir. Ouais, et ainsi je vous montre un peu que j'ai déverrouillé des pouvoirs. Donc j'en ai 2-3 nouveaux. Heureux que j'ai pris le blindé là, parce que j'aurais pris l'autre, j'aurais ramé du cul à mort. Non. J'ai failli rouler sur la blanche. Évitons de tuer des civils. S'ils se mettent pas sur mon chemin, ça me ferait plaisir aussi. Allez, tourne. Oh, super. Je crois que j'ai pas pris le meilleur chemin, mais tant pis, hein. Le jeu me laisse pas le choix. Oh merde, une voiture. Mais c'est dur à conduire, un tank. Vous avez vu comment ça se retourne? C'est pas que c'est ingérable, mais c'est juste que tu prévois pas quand il va tourner à certains trucs. Enfin, s'il va tourner tout le corps ou pas. Je passe par là, hein. Si c'est trop long, je vous couperai une bonne partie du truc. Hop, allez, des civils en moins. Allez, roulez comme des pétés, bande de cons. Non, c'est plus loin. Oh merde, j'en ai encore eu un, mais c'est pas vrai. Oh, j'essaie de vous éviter de vous rouler dessus, alors arrêtez s'il vous plaît. Donc, oh, en zone rouge en plus, bon. Mais y'a personne sur le trottoir, je me permets, hein. Danger public! De toute façon, j'ai eu mon permis il y a pas longtemps, alors je peux me permettre. Danger public! YOLO! Je détruis tout sur mon passage. Courez, pauvres âmes. De toute façon, vous allez mourir d'une infection, donc... Poussez-vous! La route est à moi! Oh mon dieu, c'est vraiment l'anarchie, quoi. Et les gens... Ah super, il y a une base militaire. Comment... évitons de tuer des militaires quand on arrive dans une zone militaire. Comment ça? Comment ça qu'on les a de... Quoi? Wow. Merde! Mais non, c'est pas ce que je voulais faire! Non! Non, je veux pas serrer les gens. Pitié. Ah, mais non, arrête. C'est bon. Ouf. Bon, je te couvre, j'imagine. Ok. Il va exploser, j'imagine. Non. Non, fais pas le surf. Mais non. Ouais, je veux bien t'aider, attends. Hop. Il est où, le suivant? Il est pas mort. Ok, où est l'autre? Faudrait... Hop, beurre. Hop. Oui, vu que je peux pas... Je préfère faire ça parce qu'au moins c'est plus efficace. Donc, attends. Hop. Parfait. Oui, j'arrive. Hop là. Voilà, c'est bon. Oh, ça va. Ouais, si aussi je détruis un peu, je suis désolé. Ouais, ce serait pas mal si tu te dépêchais. Non. Non. Pas molosse, pitié. Merde. Ok. Plan B. Lance-grenade. Lance-patate. Non. Tire. Lance-patate.
Ouais, 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 deux secondes. Oui, oui, je sais, ta gueule. Putain, ça dure 2 minutes en plus. Oh, mais je vais mourir avant, quoi. Coru, qu'il y a des vitres. Mais si c'est moi qui donne des coups. Allez, donne-moi de la vie. Où sont les prochains? Non. Il n'y a pas un temps que je pouvais utiliser. Même pas, quoi. C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ennemis, là? Ah, me disait aussi. Ok, ça c'est bon. Franklin, move. We gotta go. Jesus, get these things away from me. Allez. Oh non, pas toi. Au, 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 au. Au, au, au. Allez, esquive, hein. Ouais, je sais, mais 2 secondes, j'ai un gros, là. Au. Putain, ils sont trop nombreux. Vite, donne-moi de la vie. Merde. Putain, ne me dis pas qu'il va y en avoir plusieurs comme ça, hein. Non. Dégagez. Dégagez. Putain. Dis-moi que c'est la dernière vague. Putain, 1 minute, mais j'y arriverai jamais, quoi. Ah! Putain, mais c'est impossible! Mais non, mais t'as plein dedans! Ah! Mon dieu, ils sont trop nombreux! Ah! Oh, mais patate-les plutôt eux, pas moi! Ah non! Ils vont y arriver, ces cons! Allez! Meurs! Non, j'ai perdu. Ah, je sens que ça va être long, cette mission. Je sais pas pour vous, mais... Allez, vas-y, absorbe-le! Vite! Super! C'est bon, je l'ai eu! Ok. Donc, du coup, il risque plus rien. Super. Putain, 3 molosses. À main nue. T'es sérieux? Putain, mais c'est pas possible, il y en a combien encore? C'est bon? What the? That's not good. What the fucking fuck? C'est quoi cette tentacule? Mon dieu! Au secours! Barrons-nous! Mais putain, je veux passer, pitié, pitié. J'ai pas fait de perte civile? Étonnant. Mon dieu! Des tentacules qui te sortent de je ne sais où. Bon bah les gens, désolé si je vous écrase, hein. Faut vite que je quitte cette zone. Putain, mais c'est... Si, je me rappelais qu'il y avait des gros monstres, mais à ce point-là, ça fait peur. Oh mon dieu! Bon, je m'en fous trop, hein, parce que... Je m'en sortirai jamais, sinon... Putain, mais c'est pas possible, ça pousse de partout. Bon, techniquement, ça ne devrait plus pousser ici. Il m'a dit techniquement. Hop là, on détruit le bus. On n'en a rien à faire. Bah si, ça contamine partout, en fait. Mon dieu.
Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais tu crois qu'il sera plus en sécurité dans son labo, toi? Mon dieu, c'est l'apocalypse, les gens. Hop, dans la maison. Dans les immeubles, pas dans les immeubles, s'il te plaît. Oui, je détruis les arbres. RAF. Écoutez, hein. C'est ici, donc je dois tourner au prochain virage. Je mets quand et où? Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, ça part en cacahuète. On a lâché Toulouse, les gens. C'est les fans de Lovecraft qui vont être contents. Allez! Allez! Putain, j'ai juste fait une mission, quoi! Interesting. I'll get this under a scope. Come back in a few hours, I'll have an analysis for you. Tu crois sérieusement que tu vas pas te faire attaquer entre temps, toi? Mouais! Oh, je m'en fous, je fais encore une dernière mission, parce qu'il faut pas exagérer! Mon dieu, j'ai fait combien de pertes civiles? Ah, j'en ai fait une centaine de plus. Bon, voilà. Tant que les militaires et les infectés sont plus nombreux que les civils, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Je sors de là et je vais aller voir notre cher docteur. Parce qu'il y aura 20 heures qui seront passées. Hop. Yolo. Parce que je suis désolée, mais mon infection est un peu dangereuse. Hein. Je veux me soigner le plus tôt possible. Monsieur! Doc! T'as fini? We need a host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type, and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. Guérir, je ne guérirai jamais. C'est sûr, à 100%, je ne guérirai jamais. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. Ouais, donc faudrait que je chope la... l'hélico. Oh! Oh! Y'a une mémoire! Y'a une mémoire! Oh non, ils m'ont vu, mais elle était sérieuse dans ta connerie! Hop, on va se cacher un peu. Y'a deux mémoires! Faut que je les pique avant. Oh, mais non! Les autres, ils m'ont vu en plus. Allez, hein. Bon, je reviens tout de suite, les gens. Allez, on va prendre les mémoires, parce que c'est bien intéressant. Et c'est vraiment le truc que je veux. Ah, je peux pas passer par là! Ah, des salauds! Ah, mais les fous. Je peux pas passer par là, mais je peux. Mais je deviens conne quand je m'immie. Je suis désolée, les gens. Je suis désolée. Toi, comment je vais faire pour t'avoir sans me faire repérer? Il n'y en avait pas deux? Il me semblait qu'il y en avait deux. Bon. Au pire, ce que je peux faire... Ce que je peux faire... Est-ce que je vais faire le mode triche? Ok, je vais faire le mode triche. Mais non. Once more, man. Prick. Ok, plan B. Bouffe-le! Piloting a Grey Goose is a tough job. Swinging a 25,000 pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue, now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. Ouais, c'est cool. Hop, on rechange de forme. On refouille de nouveau. Attends, je devais pas me faire repérer? Attends, comment ça, hélicoptère détruit? J'ai rien fait! Attends, ils ont détruit leur propre hélicoptère? Attends, ils ont détruit leur propre hélicoptère? Mais qui est des cons? Oh, les cons! Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai assimilé l'autre. Ça va plus vite. Bon, bah, on va le prendre. Bon, re les gens, suite à un léger petit souci. Oui, parce que je ne contrôlais pas l'hélicoptère, donc je m'éjectais, donc je le faisais cracher. Donc ça fait deux fois que je le fais cracher. Donc j'en suis désolé. Je suis pas doué. Donc désolé les gens. Ah, mais c'est assez dur à piloter, je vous avoue. Enfin, dur. Non, c'est pas dur à piloter, c'est juste qu'il faut penser que les contrôles sont différents de... du tank, au fait, tout simplement. Donc, on va aller se mettre au point de rendez-vous, donc.
vais baisser un peu parce que je suis trop haut. Blablabla, bla bla, les jauges de force du signal, les molosses et l'onadienne, blablabla, bla bla bla. Ouais, les jauges de force... Ouais, donc ok, donc plus je me rapproche de ces trucs, plus j'aurai de chances d'avoir le molosse parfait. Bien. C'est pas ici. Je m'en approche, super. Je m'en éloigne. Un petit jeu de piste donc. Wow, super, je m'en... Non, c'est pas lui. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, scanner le château d'eau... Comment on scanne? Parce que j'ai pas envie de faire de conneries. Bon, j'imagine que je vais le chercher. Bon, je vais poser l'hélicoptère, hein. J'ai dit poser l'hélicoptère. Sans pour autant tuer l'autre. J'ai dit poser. Oh, il bat contre moi. Ok. Comment on lui injecte? Putain, il s'est pris une voiture dans la gueule. Non, esquive. Allez, on le prend. Oh, punaise. Faut le chercher. Viens, viens, viens. Viens, saloperie. Reviens. Putain, où est-ce qu'il fuit, ce con? Reviens, je veux te gober. Stay alive, big fella. Then I'll kill you. Attends, je dois juste le suivre? Bon bah je le suis alors, hein. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, c'est juste du pistage en fait, donc en espérant que le Black Watch ne me repère pas. Il est en hauteur? Non, il est pas en hauteur. Il est dans le nid. Non? Oui. Hey, Molosse, t'es pas un peu perdu? Qu'est-ce qu'il me fait, le Molosse? Ok, c'est bon. En fait, le jeu a eu du mal à le faire aller. Allez, c'est bon! Donne-moi ton parasite! Ah, 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 j'ai plus rien dans le dos. Oh, mais non, c'est pas vrai, mais dégagez, quoi! Foutez-moi le camp! Oh! Oh, oh, okay. J'ai un... Ouh! Fuck yeah! Ah! Ah! Enfin, j'ai le pouvoir que j'aime! J'ai le pouvoir que j'aime! Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas, bah, en fait, maintenant, en fait, on a lutté contre le parasite, hein. Et en fait, c'est devenu littéralement une sorte d'armure, en fait, qu'on a obtenue. Donc, c'est génial, en fait. C'est the meilleure chose qu'on puisse avoir. Donc, je peux redevenir normal, évidemment. Oui, la lame. Donc maintenant, j'ai une nouvelle arme. Oh, bah c'est super. Donc, pouvoir de l'armure, limiter les dégâts, blabla, réduire la... Attends. Pénalité. Bon, en gros, ça, c'est à utiliser quand vous avez... Ne mets pas d'armes. Quand vous avez des ennemis à combattre, des boss et tout, c'est super génial, quoi. Oh, j'adore. J'ai enfin... on va dire l'amélioration ultime, entre guillemets. Oh, c'est super. Et enfin, voilà.
On va se terminer là-dessus, les gens, parce que la vidéo est trop longue, même si j'aurais coupé beaucoup, beaucoup de moments parce que c'était trop long et trop chiant. Mais enfin voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez, salut !